Dans la première partie de mon DVD, je vous ai montré des ruisseaux à truites avec de la truite mouchetée d'environ 5 à 15 pouces, ce qui est très bon. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quoi d'encore plus spécial. Des ruisseaux à truites arc-en-ciel. C'est très rare, mais il y en a. Faut les trouver. Des fois, on peut chercher longtemps pour en trouver un. Quand on en a un, faut le garder extrêmement secret. C'est sûr qu'il faut trouver pour des ruisseaux qui vont avoir une pente plus abrupte avec des pôles plus creux d'environ 6 à 8 pieds. C'est sûr aussi que ce n'est pas la même technique de pêche du tout. Pour la truite mouchetée, j'utilise un spinner avec un verre directement après. Tandis que pour la truite arc-en-ciel, je vais utiliser une cuillère, les Clear, Tomato Warbler, Little Cleo, quelque chose comme ça, avec un bas de ligne d'environ 12 à 15 pouces avec un petit verre au bout. Il faut être beaucoup plus lent aussi parce que la truite mouchetée est plus agressive que la truite arc-en-ciel. Fait qu'il faut ramener extrêmement tranquillement. Mais une fois qu'on a un ferrage, le combat est 3-4 fois plus intense. Fait qu'aujourd'hui, prenez bien des notes, regardez ça et vous allez voir qu'il y a moyen d'attraper de la truite très grosse en petit ruisseau. Je sais pas si vous avez vu. Regardez-moi ça. Encore une fois. Ça, c'est de la pêche. Pour vous assurer qu'il y a moyen de poigner de la très belle truite dans les ruisseaux. Regardez-moi ça. Ça, je vais avoir une bonne approche. Des lancers précis. Je vous garantis qu'on peut faire des très belles pêches. Regardez ça. Truite d'une livre très facile.
Et si je connais le coin, je vous dis qu'il y en a d'autres. Normalement, dans un trou comme celui-ci, on devrait y avoir de la très belle truite. C'est un beau trou pour l'arc-en-ciel. Des trous comme ça, c'est assez rare. Mais il faut voir si, si la truite va mordre. Qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez ça encore une fois. Une truite d'environ 14-15 pouces. Très, très belle truite.